trop énorme. Moi j'aurais trop envie de retourner pour leur... En vrai est-ce que tu crois que t'aurais envie de passer juste à côté d'eux? Moi j'essaierais même pas. Et de bouffer bah, comme... que normalement ils font comme ça, ils sont putain de vifs hein. Enfin on mais sait putain pas ils ont existé mais... Enfin si non. Bah ils ouais. Existé, si, ils ont existé mais... Enfin ouais peut-être pas hein. C'est peut-être un complot du gouvernement. C'est comme le 11 septembre, c'est un complot, tout le monde sait ça. Mais carrément. Non mais sérieux. Bah je sais. J'ai vu 35, je jure j'ai vu plein de vidéos concernant le 9-11. En plus y'a trop de coïncidences mais... Tu vois les explosions, les petites explosions de la tour avant que l'avion rentre dedans et tout ça. Ouais. Y'a trop un truc bizarre. Y'a plein de trucs, si vous voulez vous pouvez regarder... Non non chute. Y'a plein de vidéos... Chute, on va se faire capturer par le gouvernement américain. Écoutez, cette vidéo est notre dernière chance. On a improvisé jusqu'à maintenant mais... Il faut que vous sachiez que... Que je t'aime. On est le seul à le savoir. Et c'est pour ça que... Oh, bah, je vis. C'est pour ça que baisse ton pantalon. Non, c'est un délire. Non, c'est un gros délire. Non, c'est un putain de délire, mais. Cherchez pas, ouais. Oh, génial, sur le truc, il y a marqué code d'accès. Si vous arrivez à tout comprendre ce qu'on dit. Mais là, sérieux, je vous donne une glace Mars, quoi. Putain, t'es généreux. Ouais, ouais. Je vous donne mon tombé. Non, pas mon tombé. Oh, ça, c'est un truc de sadique aussi. Si je veux, je peux faire le sadique. Ouais. Et si je veux, je peux faire le pas sadique. Le pas sadique, c'est quoi ça, le pas sadique? C'est un mec en fait qui est pas sadique. Là, tu vois, c'est énorme. Cette salle là elle est fermée. Bah voilà. La porte est verrouillée. Je suis en train de penser à une vidéo d'AF5 là. Ouais. Que j'avais fait avec Scalarex. Pas regardé Ah ouais. Mais je l'ai pas encore busté. Je savais pas quoi dire. C'est pareil là. Donc j'ai dit des grosses conneries. Donc j'ai dit les persos, j'ai dit leur passé, j'ai dit n'importe quoi. Elle s'est fait violer par ses parents et tout ça. Lui c'était un gros pédophile. Enfin j'ai dit des conneries mais. Sans nom quoi. Mais FF5 en fait je le fais plus. Enfin je le fais encore mais je passe plus. Enfin je. Enfin voilà. En même temps t'es en plein dans FF6. Ouais mais. Donc... Au fait on est où dans FF6 pour de vrai là? Je suis à la vidéo 54 en vrai. Putain. Parce que j'ai des putains de surpris quand je vois la vidéo 30. Et dans la vidéo 30 je dis ouais là par exemple je viens de pleurer la vidéo 20, la vidéo 3, je suis là. Putain. Bah ouais. J'ai trop d'avance. Oui, là, ça fait 2 semaines que j'ai pas. Sérieusement, quand je vais uploader Kingdom Hearts, ça va être énorme parce que Kingdom Hearts, en fait, ça fait des mois que je l'ai enregistré. Non, mais moi, sérieux, j'ai enregistré 2 semaines. J'ai pas enregistré après pendant 2 semaines. Mais rien ouais, branlé quoi. Bah, t'es pépère. Je suis allé sur une. Non. Je suis allé sur des sites, voilà. Oh yes! Un toxicogive. Oh merde, par contre, j'ai plus de. Ah oh, merde, j'ai mal joué là. Un toxicogive. Non, non, sérieusement, j'ai putain de mal joué. Quoi t'as mal joué là, t'as rien fait? Non, j'ai plus de phénixir. Regarde au moins un. Putain, pourquoi tu l'as allié avec un truc? Ouais, du coup j'ai eu un toxicogive. Oh, excusez-moi si alors là, j'aimerais bien comprendre. Eh, hey, ton phénixir il marche pas. Parce que quand t'es fait bouffer par le T-Rex tout à l'heure. Bah si, ça veut dire un phénixir. Non. Sinon, ça aurait fait game over et hop sur le menu principal. Ah ouais? Ouais. Ah ok, bah c'est à chier ton truc. Je croyais que ça te récitait direct sur le truc moi. Non, non. Oh, c'est bidon en fait. Putain, mais le couteau du tombéry là il fait chier parce qu'il part en live quand même. Regarde. Ouais. C'est bidon. Ça m'énerve ça. Ils auraient pu faire un vrai couteau. Ouais mais c'est ça, ils auraient pu faire sur la photo ça avait l'air d'un couteau de malade là de. Oh, un tournevis. Tournevis? Ouais je suis un tournevis. Quoi faire? Ça sert à quoi? Je sais pas. Merde j'ai oublié de retenir le code de tout à l'heure. 7426 non? Quoi? Quel code? Non mais laisse tomber t'as pas vu. Je sais pas si c'est vu, mais moi je me rappelle de rien, tu sais. Régime. Ma gueule, c'est ici qu'il faut s'en servir. En fait, elle a aucun charisme, hein, cette perso. Regina? Ouais. T'as pas. Quoi que non, pas beaucoup, mais. Deux. Mais ils ont pas beaucoup de charisme en s'inscrivant à Valorant. Hein. Ouais, mais quand même, y en a, ils sont putain de classe, des persos, quoi. Aucune idée. Alors dans Resident Evil 0, tu sais, il y a un espèce de prisonnier qui s'est échappé, tu vois. Ouais, lui il est fan. Ouais, mais il a pas de charisme non plus parce que c'est un gentil en fait. Non, c'est un prisonnier échappé, il est fan. Ouais, mais en fait il est gentil. Ouais, mais il est classe, comment il est habillé, tu sais. En fait, c'est le seul. Celui que j'adore en fait, Resident Evil 0, je sais pas pourquoi, parce que. Tu as jamais joué ça, ça. Si, si. Tu as joué? Ouais. Putain de longtemps. Ouais. Bon, c'est le premier que j'ai joué, c'est pour ça que j'aime bien. En fait, j'aime bien parce que c'est. Comment dire? Toi, ils trouvent pas ça normal les zombies, toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Parce que dans les autres, ouais, des zombies, oh, super. Genre, les invités ce midi à déjeuner, tu sais. Non, là, c'est trop bon. J'adore quand tu vois la salle avec tous les œufs, là. Ah oui, elle est fun. J'aime bien dans ce le train truc. Encore, ou ouais, c'est dans le train. Ouais. J'ai fait que le train, moi.
C'est con parce que c'est après que ça devient intéressant avec le docteur James Marcus. Putain, mais spoiler, va, casse-toi, qu'est-ce que tu spoil comme un scène 2-4-8, putain, je savais que c'était des. C'est ce que t'as dit tout à l'heure, alors pourquoi non, tu l'as pas mis tout à l'heure. Ah bon. Non, mais je savais qu'il y avait 7 et après que des. Tu sais que là on enregistre comme des cons pour rien parce que personne regarde, ça les a découragés depuis le début, c'était de la merde. Non, mais justement, c'est pour ça qu'on enregistre un 2 pour que ça devienne intéressant. Non, mais. Ouais, mais à la base c'était tellement chiant que. À mon avis, y'en a pas beaucoup qui nous ont suivis. Hein. Ouais, on dit ça parce qu'en fait, on dit que de la merde depuis 1 heure, depuis 2 heures en fait, et quand je poserai ça, ça va être. En fait, ça passe trop vite le temps quoi. Le temps, qu'est-ce que le temps? C'est le souvenir. Non, putain, arrête, tu te rappelles des scènes de Chrono Cross là? Elle spoil pas. Mais tais-toi, comment tu veux spoiler du Chrono Cross? Ah ouais, tu veux que je spoil du Chrono Cross? Ok. Vas-y. Si je parlais du lien entre John et John. Tu peux pas de lien. Non, entre John et John. Tu sais, John et le méchant. Ils ont pas de lien. Mais si, après tu joues John, le jeu de John. Parce qu'ils ont ah oui, d'accord. Voilà. Mais ils ont pas de lien vraiment, enfin. Ouais, bah à peine. Non, mais toi t'as pas vu la fin, hein. C'est un truc de Barjo. Non, j'ai pas vu la fin, ça je te spoil pas, PD. Tu dis que tu veux pas faire la fin, mais c'est de la merde ce que t'as vu à côté. Chrono Cross, c'est un truc de Barjo quoi. Putain, je me souviens plus où faut aller. Bah, Chrono Cross, bah. Non, je. Mais. Chrono Cross, d'ailleurs, je l'ai pas fini. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Parce que, en fait, le scénario avance trop lentement, donc ça fait ouais, chier. Voilà. Mais moi aussi, ça me fait chier. Mais quand il avance. Oh putain, ouais, trop bien. Trop bien cette scène. D'ailleurs, dans. Je sais pas si t'as regardé Chrono Trigger de Kiralex au tout début. Bah, j'ai joué à Chrono Trigger. Non, mais tu vois une arche comme ça. Ouais. Ça, c'est la scène, tu sais, la scène. Ouais, bah, tu vois l'espèce d'arche avec la cloche. Ouais. Bah, c'est la même que celle de la scène de Chrono Trigger. De Chrono Cross. 7, 2, 4, 8. Ouais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, la scène géniale de Chrono Cross. Ouais. Tu sais, on voit un truc comme ça. On va coucher de soleil avec une arche. Oui. Bah, c'est la même. Oui, oui, bah, je m'en suis rendu compte après. C'est pour ça, à ceux qui ont joué à Chrono Trigger, ils aiment encore plus. Bah, c'est pas du spoil. Ah, coco, non. Jouez à Chrono Cross, il est fun. Bon, par contre. Attends, si vous êtes. Quoi, il est fun? Mais il va te faire foutre. Il est énorme, connard. Non, parce qu'il avance lentement, je trouve. Mais il avance lentement, mais quand il avance, c'est un truc de Barjo. Et après, tu. Mais quand mais tu. Ok, il avance le passage avec l'arche, j'ai rien compris à ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Bah, oui, mais c'est parce qu'il faut refaire le jeu plusieurs fois. Non, mais quand t'as fini le jeu. En fait, c'est comme si tu venais de le commencer. Parce qu'il y a tellement de trucs. Non, mais parce que après, tu fais un New Game Plus. T'as je sais pas combien de fins. C'est énorme. Oh, c'est des rapports. Ouais, hein. Ah oui, alors tiens là, je vais te montrer le truc du sadique. Alors retiens bien ça. Alors. De sadique. Un gaz de toxicité inférieure à 30 peut être neutralisé. Alors le gaz rouge neutralise le poison vert. Le gaz vert. Le gaz bleu neutralise le gaz. Ils vont te faire toutes les couleurs. Le gaz violet neutralise le poison. Vert, neutralise le poison violet. Quand tu veux te rappeler de ça, quoi. En fait, faut nous. Là, c'est Myst le truc. Non, Myst, hey, si tu me trouves un jeu plus dur que Myst, je te donne. Myst 2. Non, mais c'est pas le plus dur, le 2. Hein. Non, c'est pas le plus dur. Le 1, c'est 10 fois plus dur. Hein. Le truc qui m'est trippé, c'est que c'est sans qu'une tête. En fait. T'arrives. Ouais, tu sais même pas pourquoi. Voilà. Mais Myst, c'est énorme parce que tu retrouves des. Putain, ta gueule, c'est énorme. Ouais, moi, je préfère largement le 1 parce que t'es tout seul. Tu te sens ah ouais, perdu, tu vois là, le gaz orange ou jaune. Tu te rappelles? Eh ben, on va pouvoir utiliser des gaz en fait. Super. Et mais il y a un garde dedans. Enfin, il y a un gars dedans, un gars vivant. Donc il va crever tu peux sinon. Le buter, ou tu peux le faire vivre. Et vaut mieux le faire vivre. Ouais. T'as eu toutes les fins toi? Mais je me souviens plus. Oui, mais je me souviens plus. Bah allez au pif. Oh putain, je suis en train de le buter. Bon allez, je te dis moi, c'est le bleu qu'il faut aller. Le pas le bleu, le vert, je te dis. Oh putain! Oh putain, je vais le buter! Mais pauvre con! Il tousse. Allez, violet, allez! Oh, c'est bon, il va pas crever. Allez, un petit coup de violet. Ouf, il est vivant! T'es trop con, mais c'est pas crever un gars! Arrête! Il est fort que je le fasse dans le sens inverse tout à l'heure, tu vois. Quoi? Tu vois. Là, tu vois, j'ai essayé de le sauver. Ouais. Bah, attends. Tu vas pas le voir, le gars? Ah bah. C'est un docteur encore. Mais c'est un centre de recherche, donc en même temps c'est normal. Ouais. That fool, ce pantin, encore une fois. Mais c'est con de dire ça comme ça. Ce fou, tu dis ça. Ouais, ouais. Quel secours? Non, il est baratine. Ah, ok. Il fait genre ça. Ouais. Pour que tu restes en. C'est un truc secret, donc. En vrai, ça, tu peux le faire crever. Alors, si tu le fais crever, t'as pas cette scène alors. Non, t'arrives. Donc il sert à rien non, en fait. T'arrives, tu prends la clé en fait.
donc du coup il dit sans pas son que... cadavre. Non ouais ouais, mais du coup tu sais pas que ça c'est pour accéder à son truc, voilà. Bref. Enfin ouais. ça te dit pas que ça permet d'accéder à son laboratoire. En même temps ascendante puisqu'on est censé y aller donc. C'est pour ça si, que. On peut ramasser son en plus il crève quand même, alors voilà, on aurait coupé un peu de dialogue là. Petite clé en aluminium qui est importante. Mais en fait elle est pas importante. Et là, devine ce qui va se passer. Il y a un Yeti qui arrive et non, je sais pas. Hein. Oh, je m'y attendais pas. Il y a un dino. Ouais. Elle est bien la musique comme ça. Ouais. Je vais télécharger l'OST là. Oh putain, celle-là en version. Tu la connais en version jazz? C'est pas trop con, c'est.